Merci, Monsieur Lucien Bouchard. Ben là, écoutez, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Notre productrice qui rénove son bureau à grands coups de frais, qui va piger dans la calotte de l'émission. Alors bon, où allons-nous, je vous le demande. Donc on a Jean Charest ici qui dit « Miam, miam, c'est bon l'accord de Calgary, le Québec est unique, les provinces sont égales. » Et il y a Lucien Bouchard de l'autre côté qui lui dit, il dit rien, il est sur le Viagra puis il n'y a plus une goutte de sang dans la tête. Ça marche pas en répétition, ça marche pas plus là, c'est plate rare. Anyway, Jean-René Dufort, le Poney Express, est allé vous demander si vous connaissiez la déclaration de Calgary. On écoute. Jean Charest et Lucien Bouchard s'engueulent depuis quelques semaines au sujet de l'accord de Calgary. Mais qu'est-ce que l'accord de Calgary? La fin du monde a tenté de trouver parmi vous le vulgarisateur Western qui pourrait nous éclairer. Ici, j'ai un merveilleux trophée. Si jamais vous me dites c'est quoi exactement l'entente de Calgary, vous le gagnez. Oh. Mon Dieu, c'est... Ah oui, c'est pour affirmer que le Québec est une société unique. Soit plus différent que pareil, mais plus pareil que différent. Je sais que c'est une résolution pour faire accepter que le Québec soit une société, quelque chose comme un mot, là... Insolite? Insolite, ouais, ce serait pas pire. La politique, j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté ça. Arriver à un accord avec les Anglais, c'est comme saucissonner un veau. Des fois, ça se peut qu'ils mordent. Calgary Treaty? I don't use call. Yeah. Le traité de Calgary? C'est une espèce de preuve de bonne volonté des Canadiens anglais envers le Québec. L'entente de Calgary, vois-tu, ça se trouve à être une gang de gars qui disent de la bullshit et puis qui sont pas capables de se fixer sur une bullshit fixe. Et puis finalement, ben, y a une hésitation et puis ben ils vont sûrement trouver une entente à un moment donné, quelle bullshit est plus plausible à shooter à tout le monde. C'est exactement ça, tu gagnes. Salut, ici Willie Dufort dans la vallée de Montréal. Si je comprends bien, ils en savent autant que moi sur l'entente de Calgary. Bonsoir, rebonsoir Jean-René. Salut Marc. Vous avez dérangé des gens quand même aujourd'hui en parlant de l'entente. Dès qu'on parle de l'entente de Calgary, on dérange quand on... Oui, parce que ça intéresse pas grand monde. Ça intéresse personne. Ben c'est ça, on s'en doutait un petit peu. Il est quand même... C'est un homme de parole, M. Doré. Oui, effectivement. Il a tenu parole. Vous savez que ça fait 22 ans, c'est ça je pense, ça fait 22 ans que M. Doré a sa moustache. Et il paraît que c'est un grand traumatisme de couper ça, oui. Ben après 22 ans, j'imagine que oui. Là. D'abord, ben écoute, il va sentir des courants d'air là où il n'en a jamais senti. Avec 1 800 $, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est extraordinaire, c'est ça la morale de tout ça. On va se parler un petit peu. Ça va toujours bien là-bas? Ah, ça va très bien, là. Ah, ben c'est merveilleux. Vous avez l'air main, là. Parfaitement à l'aise. Il n'a même pas perdu connaissance. Non, ça tout se déroule très bien. Très rapidement, oui. Jean-René, en quoi consiste, pour tous les ignares comme moi qui ne connaissent pas profondément l'entente de Calgary, c'est quoi? En grand vulgarisateur politique, je vais te dire que c'est très, très simple. C'est-à-dire qu'on peut être distinct, mais tout le monde peut être distinct. On peut être unique, mais tout le monde peut. Tu es unique, je suis unique. Oui, tout le monde est unique ensemble et tout le monde est distinct ensemble. Voici ton anane et ferme ta trappe. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est à peu près l'idée qu'on s'en faisait. Oui, c'est ça. Merci infiniment, merci. Jean-René. Et on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref et une image encore qui vaut 1 000 mots. Regardez.